Le livre, pour moi, est un outil central d'acquisition des connaissances, de perfectionnement des savoirs, mais également de projection dans le futur, tout comme de lien avec le passé. Donc c'est un outil qui vous lie avec votre passé, votre présent, mais aussi votre futur. Ce n'est pas un hasard si les civilisations actuelles dépensent énormément d'argent pour d'abord archiver la connaissance et ensuite la produire. Les pays qui vont avoir un impact sur le monde d'aujourd'hui sont les pays qui auront compris que la bataille du 21e siècle, c'est la bataille des idées. Parce que si vous n'êtes pas là où se déroule cette bataille, en produisant votre pensée, en projetant le monde selon votre vision et en vous organisant pour avoir un impact sur la marche de ce monde, eh bien, vous serez nécessairement dépassé et vous aurez à subir ce que les autres veulent faire de vous sans que vous n'ayez à rétorquer. Donc c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de s'assurer que toute la pensée est bien codifiée, bien gardée, mais aussi que cette pensée sert vos intérêts. Parce que très généralement, on dit c'est l'intérêt universel. Mais dans la réalité, c'est d'abord l'intérêt du plus fort. Je pense pour ma part que le projet éditorial doit avoir un objectif et doit avoir une méthodologie. C'est-à-dire qu'en réalité, si vous prenez par exemple l'ensemble des relations internationales, des livres qui sont produits aux États-Unis, ils disent plus ou moins la même chose. America first. Si vous prenez la littérature produite par les Chinois, ils vont vous dire la Chine, l'empire du milieu, c'est-à-dire qui est au centre de tout. Si vous prenez les Allemands, on va vous dire l'Allemagne au-dessus de tous. Quelle est la formule africaine? Quelle est la formule camerounaise? Quel est l'objectif qui est visé par nos productions? Et je crois que c'est là où se trouve le problème. Nous avons l'impression de faire du va-et-vient, nous avons l'impression de faire du surplace, et en tout état de cause, nous avons l'impression de stagner. Et c'est parce que nous n'avons pas un objectif convergent. On n'écrit pas par hasard, on n'écrit pas simplement pour le plaisir, on écrit aussi pour le plaisir d'écrire, mais avec l'objectif d'atteindre un certain type de cible et d'étape. Et c'est pour ça que nous avons ce sentiment, que chacun vient, fait ce qu'il veut comme il peut, le mieux qu'il peut, mais ce n'est pas coordonné. Donc il faut, à mon avis, partir d'un point central. La différence entre nous et les autres non-africains, c'est que nos héros sont mis de côté automatiquement. C'est que nous avons un mal d'Afrique, un mal-être africain. Nous pensons que tout ce qui vient de l'extérieur est par définition supérieur à ce que nous avons et ce que nous produisons. Ce qui est bien sûr catastrophique. Mais je pense que nous devons être le centre de notre propre dynamique, nous-mêmes. Et les autres viennent de surcroît pour éclairer ou bien pour soutenir ce que nous faisons. Mais nous devons être le cœur de notre propre dynamique de développement. Profondément, je dirais oui. Je dirais oui. Nous n'avons pas un système éducatif qui soit endogène en termes de ses connaissances. Et en fait, ce que nous produisons dans notre système, et je fais partie de ce système, donc c'est mea culpa. Je ne suis pas en train d'accuser les autres. Ce que nous produisons dans notre système, ce sont des êtres extravertis. Et c'est la raison pour laquelle ils sont facilement utilisables. Dès qu'ils sortent de notre système, ils émigrent. Parce qu'en fait, leur formation, c'est pour résoudre les problèmes des autres sociétés et non pas des nôtres. Donc je pense que nous devons recentrer notre étude. Et ce n'est pas simplement la littérature, même en termes de technologie. Nous avons tort de croire que nous ne produisons pas la technologie. Nous en produisons, seulement nous ne la valorisons pas. Et donc, comme on ne valorise pas ce qu'on fait, évidemment, ça ne sera pas utilisé dans nos cercles sociétaux. Je
Je pense que les plus grands changements sociétaux n'ont pas été nécessairement réalisés par les politiques. Je vous donne l'exemple simplement de l'Amérique noire, de Martin Luther King dans les années 1950. Ce monsieur n'était pas un politicien, mais il a réalisé ce qu'aucun politicien aux États-Unis n'a fait. C'était un pasteur de l'église baptiste qui s'est trouvé au carrefour de l'histoire et qui a pris ses responsabilités. C'est tout. Et il a, à la fin de ce scénario, il a obtenu la nationalité, en fait, américaine, à d'anciens esclaves qui en étaient exclus. Bon, c'est un fait politique, mais qui n'est nullement réalisé par un être, un professionnel de la politique. Bon, la même chose pour beaucoup d'autres. Donc, c'est pour vous dire que ce qui peut pousser quelqu'un ou un groupe de personnes à s'engager, c'est d'abord la conviction d'être à un moment crucial pour faire basculer l'histoire. Ce n'est pas une approche qui est bonne, elle doit même être condamnée. La publication fait partie intrinsèque de notre métier. On ne doit pas publier à un moment donné et arrêter de publier à un autre, non. On doit publier du début à la fin de sa carrière sans interruption. Et il n'y a qu'au Cameroun ou en Afrique qu'on s'étonne de voir un enseignant d'université qui publie un ouvrage tous les deux ans. C'est la norme, c'est comme ça. Peut-être pas en France, je n'en sais rien, mais en tout cas dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, un enseignant qui est professeur de rang magistral et qui a moins de 10 livres ou 15 livres, bon, c'est regardé bizarrement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment accompli. Alors, je pense que notre travail, c'est de transmettre des connaissances. Ce n'est pas tout de produire de la connaissance. Encore faut-il pouvoir la transmettre. C'est pour ça que c'est très prenant en termes de temps. Nous devons aller dans des colloques, nous devons nous asseoir devant des étudiants, devant des élèves. Moi, je vais souvent dans les lycées, parce que je crois que c'est à l'âge de 15-16 ans qu'il faut vraiment inculquer ce goût de l'aventure littéraire. Mais le virus de la lecture s'acquiert entre 6 et 9 ans. Une maison d'édition comme la Matan, que je connais depuis très longtemps, gagnerait, à mon sens, à s'associer à d'autres, ici au Cameroun par exemple, pour créer une émission de télévision. On ne peut pas acheter un produit dont on ignore l'existence et l'apparition sur le marché. Vous ne pouvez pas créer une dynamique d'intérêt s'il n'y a pas un domaine, où il n'y a pas un endroit où on sait que chaque mois ou chaque deux semaines, on va voir qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui est à l'intérieur, est-ce que ça nous intéresse. Moi, je pense que c'est un grand vide. Et c'est un vide qui, malheureusement, est à votre détriment. Parce qu'on m'a dit, oui, il y a des petites querelles. Et tout. Je dis, ça n'a pas de sens. Parce que vous avez tout intérêt à vous mettre justement ensemble, parce que vous allez tous y gagner. Et le public du Cameroun, d'Afrique centrale, de toute l'Afrique, puisque nous sommes maintenant sur satellite global, eh bien, gagnera. Et on va vous faire des commandes du monde entier.